Vas-y, ouvre. Comment elle fait, maman? Dans mon entraînement, je me prends mon petit collagène en poudre et mes probiotiques. Alors le collagène, je vous en parle depuis des années, les probiotiques aussi, mais pour moi c'est vraiment hyper hyper important d'en prendre. C'est vraiment le top. Le collagène là en forme de poudre, vous avez de l'acide hyaluronique dedans aussi, de la biotine pour les cheveux et du collagène du coup, que ce soit pour les articulations, que ce soit pour avoir une belle peau, des beaux cheveux, etc. C'est vraiment tip top le collagène, vous pouvez en prendre tous les jours. Sous forme de celui-ci, il est sous forme de poudre, vous prenez une cuillère à café dans de l'eau et c'est vraiment top. Et les probiotiques, vous avez deux formes de probiotiques. Je vous parle souvent des gélules, mais c'est vrai que moi j'aime bien combiner gélules le matin et poudre l'après-midi. Vous avez du coup beaucoup plus de bactéries, je crois que c'est 20 milliards dans celle-ci, juste dans les capsules, et dans la poudre vous en avez que 9 milliards, mais par contre vous avez des vitamines en plus, et du coup vous pouvez combiner les deux si vraiment vous avez des ballonnements, que vous avez une mauvaise digestion, que vous sentez que vous êtes gonflé. Ça joue aussi sur les mycoses vaginales par exemple, parce que je sais pas si vous savez, mais les probiotiques c'est fait pour repeupler l'intestin de bonnes bactéries, mais aussi ça joue sur la flore vaginale et buccale. Donc si vous avez des mycoses ou des problèmes au niveau de ces endroits-là, et ça peut jouer aussi, ça ne joue pas que sur ça, ça joue aussi sur le transit, sur la perte ou la prise de poids, sur les cheveux, sur plein de choses. L'intestin, enfin avoir un bon microbiote intestinal, c'est vraiment hyper hyper important. Donc moi je conseille à tout le monde de faire des cures de probiotiques. D'ailleurs, quand les enfants naissent, on conseille directement de leur donner des probiotiques adaptés. Alors le retour que j'avais eu de certaines personnes, c'était que le goût était vraiment pas top de la poudre de probiotiques. Du coup là ils ont sorti un goût neutre et vraiment ça n'a aucun goût, donc c'est trop trop bien. Pour celles qui avaient ce problème là, vous pouvez prendre le goût neutre, vous aurez vraiment aucun goût. Sinon il y a le goût fraise, ce qui est un peu particulier, moi j'aime bien, après j'ai des goûts chelous, mais voilà, vous pouvez prendre du coup la poudre et les gélules. Ou que les gélules, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous cherchez vraiment à avoir un max d'effet, moi je vous conseille de prendre les deux. Sinon, si vous voulez prendre qu'une seule chose, je vous conseille les gélules parce qu'elles sont plus concentrées. Et le collagène qui est vraiment la base des bases, qui fait partie des best-sellers là. D'ailleurs, je collabore avec cette marque depuis des années et mon code promo ne change jamais, il est valable toute l'année. Mais comme je vous ai dit, en fait, il change les offres. Je crois que c'est toutes les deux semaines, un truc comme ça. Là, vous avez 20% sur tous les best-sellers. Bon, du coup, et pour celles qui m'ont répondu là que c'était abusé les fils et qu'ils avaient pas le droit, en fait, il y a rien qui dit qu'ils ont pas le droit, ils doivent juste laisser une lumière. Et comme ils ont pas pu enlever celles qui sont dans le plafond, ils ont laissé que celles-là. Mais dans la cuisine, j'ai pas de lumière. Dans mon salon, j'ai pas de lumière. Dans mon entrée, j'ai pas de lumière.